conventions et formations en vue dans les prochains jours, les programmes de femmes, les stratégies de casse de béquilles et des séminaires organisés au Maroc et à la prison centrale de Conegui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Le mois d'avril peut être considéré comme le mois le plus chargé dans l'agenda de l'Église en cette année 2019. Des multiples formations sont prévues en Afrique. Au Cameroun, nous en avons 6, à savoir Littoral, Nofo et Akono, Bam et Nubo, Légué, Nord et l'Est. En dehors du Cameroun, nous en aurons au Swaziland, en Côte d'Ivoire. Sous la coordination nationale du révérend apôtre Djidjero Takis Roger, Côte d'Ivoire Life Award Mission organise sa convention internationale intitulée Abidjan 2019. Cette sainte convocation ouvre ses portes à partir du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019 à l'amphithéâtre de l'Institut Sotra dans la commune de Yopougon en Doukoua. Thème, la véritable délivrance. Ces festivités autour de la parole vivante sera suivie d'une retraite spirituelle appuyée d'une formation biblique à partir du lundi 15 au samedi 20 avril 2019 dans les locaux du cours secondaire méthodiste de Dabou. Le dit événement s'animera sous la présence de plusieurs éminents serviteurs de Dieu venant de l'étranger. Entre autres, l'apôtre Denis Boba du Cameroun, président de Africa Life World Mission, pasteur Daniel de la Corée du Sud, apôtre Nasiki Jesse du Togo, le révérend Maurice Amoussougenou du Bénin et bien d'autres. Ivoiriens, Ivoiriennes, bien aimés dans le Seigneur, ne vous faites pas raconter cette page de l'histoire en Côte d'Ivoire. Viens expérimenter à quelle dimension la parole de Dieu délivre. Et au Ghana. En parlant de la convention du Ghana, suivons ce que le point focal a à nous dire. We thank God for everything that he is doing. I'm the national coordinator of Ghana, Pastor Christopher Sawai. And we are waiting for our brethren from Korea and Cameroon. And according to the plan, a plane from Korea has already landed. So we are expecting our brothers to come out so that we take them to the hotel. The convention is ready. Everything is set. We believe that this convention is going to bring great impact into the nation of Ghana. Your prayers are working. Continue to pray for us. Thank you very much. My name is John Mutimbo. I'm very grateful to all what is doing now in Ghana. Actually, I'm in Accra for the International Convention of Accra 2019. As you see, we are now at Kotoka International Airport, and we are here to welcome the delegations both from Korea, which is led by Pastor Daniel Kuhu, and also the delegation of Cameroon, which is led by Pastor Denis Kuhu. So what you see, this is very important, it's amazing. And we thank God for what he's doing at this particular moment now in Accra. And we are very grateful to him who have enabled us to host this convention at this time in Ghana. And also, we are grateful for you people, you our brethren, who are praying in the direction of Accra so that this convention can be a successful one and that the soul who are destined for salvation receive, realize their salvation. And we also ask you to continue to pray in that way so that God give us boldness to speak his word in his perfect way in order for the brethren, those who are still hidden, to come into reality. Thank you. Stay tuned and we come back to you. Les contributions sont lancées pour la convention 2020. As-tu déjà choisi ton pack? En effet, nous avons 3 packs. Celui de 100 000 et plus, 50 000 et plus et 25 000 et plus. À l'Est, plus précisément à Bétois, s'est tenue une formation du département de finances. Voici pour vous quelques images. Ils envoient les rapports par les fils, si tu envoies. Mais dans tes 50 besoins, tu écris les 50 besoins que tu as fait. Alors, tu ne veux pas aller voir le banque, c'est sur les crimes, ils n'ont pas encore de crimes. Quels sont les éléments qui doivent apparaître dans le rapport financier? Aller dans le même sens que les frères qui ont intervenu. Ces éléments étaient déjà ressortis, à savoir les entrées, les sorties,
ont une belle instrument, ce qu'on a fait au niveau des Antilles, comment on a perçu l'argent et les sorties, on dit à peu près, et puis le reste en caisse. Le département national des femmes organisera un programme national des femmes en avril. Les détails vous seront donnés ultérieurement. Nous avons le déplacement du président Afrique et l'arrivée de la délégation coréenne ce 30 mars à Accra. Sans compter le départ de plusieurs frères pour la Côte d'Ivoire cette semaine et la semaine prochaine. N'oubliez pas, derrière rire peut se cacher un enseignement. À toi d'en tirer le tien. Ouais, regarde, je t'appelle, je suis en train d'aller dans une église de mort là. Donc, ils ont parfois les nuits de prière, donc je finis avec eux et puis je reviens. On va seulement se voir le matin. Ok. Bonsoir, frère et soeur. Bonsoir. Bonsoir. C'est important de savoir que vous êtes réunis. Sans lui, vous savez, vous connaissez la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Mais je vais le répéter. Parce que dans ce ministère, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le sens de la communion. Mmh. Amen. Ils ne comprennent pas le sens de la communion. C'est pour ça que moi, je suis resté comme ça dans ma chambre. Dieu m'a enlevé pour faire une des prières. Ça va pousser les gens à ce que, quand vous demandez n'importe quoi, Dieu donne seulement. C'est comme ça. Oui. Même si nous sommes entre hommes, il n'y a qu'une fille, nous comprenons que le reste des soeurs sont encore attirées par le plaisir du monde. Plaisir du monde. Mais nous ne sommes plus attirés par ça. C'est pour ça que vous vous demandez de dire Amen. 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 C'est important. C'est la raison pour laquelle je vais donc donner la parole à Docteur Atamana, qui va nous donner un chant que j'aime magnifiquement. Amazing Grace. Amazing Grace. So sweet. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je répète. Où je vois le Dieu? Où je vois le Dieu? Où je vois le Dieu? Et pas le Dieu là. Put the house down. When I speak you. What is it? Donc tu peux donner une voix que quand même Dieu va entendre. Il va dire que non. Les enfants, si non, vous avez le voix, vous savez chanter. Même si vous me demandez quoi, je vais donner. C'est ça qui est la vérité. Je ne vous ai jamais crié dessus. Ne me forcez pas à vous crier dessus. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il déploie mon talent devant vous. Attendez, je vous demande. Amen. I sweet the sound. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes mon père ici. Mais chantez. Chantez non. Vous êtes mon père ici. Amazing grace. Arrêtez, stop, stop, stop. C'est quoi avec vous? Nous ne sommes pas le Dieu tout puissant. Maintenant, on va ancrer dans la présence du Seigneur. On va ancrer dans la présence du Seigneur. Encore et chantons. Amen. Holy Ghost fire. Was
Thank you, Baba. Thank you, girl. Thank you, girl. I love you so much. Maintenant, frère, soeur, nous avons la présence d'un frère qui va prier pour que le Saint-Esprit descende sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous t'écoutons. Moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la grâce que tu m'accordes de parler. C'est imploré. Seigneur, tu nous as Jean 4:24 que tu es esprit. Et pour que ceux qui t'adorent t'adorent en esprit, en vérité. C'est ainsi que dans le jardin, à la création, tu dis, faisons l'homme à notre image et l'homme notre ressemblance. Seigneur, tu as créé l'homme à ton image selon ta ressemblance. Mais tu vas venir donner un seul commandement à l'homme. Dans Genèse 2, 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, Amen. Seigneur, quand l'homme a mangé ce fruit, il est mort à tes yeux. Mais puisque tu es esprit, ça veut dire que la mort dont tu parlais n'était pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. Voilà pourquoi dans Genèse 5, verset 3, tu viens nous dire que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Ça veut dire que cet enfant n'était plus à la ressemblance, à ta ressemblance, mais plutôt à la ressemblance d'Adam. C'est ainsi que tu vas venir nous dire dans Romains 5, verset 12, car, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que cette mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Seigneur, je suis en face de tes enfants, des gens qui ont péché, Seigneur, mais ils ne le savent pas. C'est pourquoi tu pouvais nous dire dans Ephésiens 2, 8 à 9, Seigneur, qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, Seigneur. Un homme ne peut jamais venir vers toi par ses propres œuvres. C'est pour ça que tu l'as encore dit dans Jean 4, 17. Que Seigneur, celui qui sait faire du bien, ce qui est bien, il ne le fait pas comme un péché. Comment un homme peut-il être juste? Tu me viens encore nous dire dans Jean 2, 17, Seigneur. C'est pour cela que tu viens nous dire encore dans Jean 2, 17, Seigneur. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, sera devenu coupable de tout, Seigneur. Tu veux bien qu'on nous corrompre dans Lévitique 5, 17, Seigneur. Anima ça, il y a tellement de mal à te faire. On te tient. Fais-toi. Oh, ah. Tu t'es marié de tête, toi. Et pourquoi ça? Tu prends comme 10 minutes pour faire la prière. J'ai pas mon frère. 29 minutes pour une prière. Ouais. Et tu dis même pas comme ça. Non, d'accord. Tu peux lever la mort, là. Tu parles de mort, de mort. Qui va mourir ici? C'est le frère. Je ne veux plus me répéter. C'est le frère qui. Comment tu as su qu'on était ici? Mais je viens souvent ici prier avec toi. Ah! C'est maintenant que je me rends compte que tu n'étais jamais vu dans mon ministère. Un espion. Vous pouvez gâter le ministère des gens. Le mauvais cœur. Il n'y a quoi, mon frère? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le mauvais cœur, ça veut le mauvais cœur, Seigneur. Le gâteau du ministère des gens. Vous ne savez pas ce que le temps que ça prend pour créer un ministère comme ça. Est-ce que tu sais que j'ai l'âge de ton père? Tu veux me mépriser devant mes fidèles? Je sais pas. Ta petite connaissance des écritures te prend les cancers. Le feu, tu vois. Bon matin, Mahou. Je te demande de mettre des bon matin, Mahou. Tu me sens, tu me tapes. Mais si tu me tapes, Dieu est fidèle. Comment est-ce qu'ils vont te faire ici? Fais sur toi, petit frère. Faillez, sois là que je m'arrive. Faillez, mal à la tête, tu vas voir. Faillez.
Bon, nous sommes entre nous. C'est le frère qui... Je dis, je répète, nous sommes entre nous. C'est... Ne me forcez pas à vous crier dessus. C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur. M'excuse. Mets-toi dehors. Petit frère, sors pas le... Mets-toi dehors. Vous venez garder l'assemblée des gens, vous mauvais que... Mets-toi dehors. Insolent. Je suis venu te voir. Tu as dit quelque chose pendant la prière, même si ça dérangeait quand même, tu as dit quelque chose qui était assez pertinent, mais ça me trouble. Quoi? Comment tu peux dire que si quelqu'un pêche contre un seul commandement, il est coupable de tous? Oui, c'est quoi oui. ça? Oui, mais c'est la Bible qui le dit, excusez-moi. Donc si je pêche, je suis coupable de tout. Oui, tu pêches, tu es coupable de tout. Toute la loi. Tout comment? Puisque je n'ai pas fait. N'ai jamais insulté quelqu'un. Non, parce que Somme nous dit que celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel là, c'est celui qui doit avoir les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce que tu as le cœur pur? Moi je sais, j'ai le cœur pur. Si tu as le cœur pur, ça veut dire que tu ne peux pas pécher. Mais si tu reconnais déjà que tu as au moins enfin un seul de commandement, c'est clair que tu n'as jamais le cœur pur. Donc, je vais prendre ton numéro et je vais t'expliquer ces choses-là. Mais tu me consacres du matin jusqu'au soir. Toute une journée pour qu'on t'explique ces choses-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pourrez trouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life One Mission et sur nos chaînes YouTube Adassa Production. À la supervision générale, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Assiné. À la caméra, nous avons Mambo Soukran. À l'éclairage, nous avons Kim David Boba, Dove Amania et David Merveilleux. Et votre fidèle et humble présentatrice, Gabriella Boba. Merci, votre fidélité nous honore et à lundi prochain.